Arrivé à ce stade de mon émission, il faut que je fasse le point avec vous de tout ce qui vient d'être dit. Au commencement des choses et des êtres, il y a éternellement celui que j'appelle le sans-nom. Par commodité, on l'appelle l'être suprême absolu, car avant lui, il n'y avait personne, et après lui, il y aura toujours lui. Mais cette fois-ci, fragmenté partiellement dans sa création et ses créatures. En se manifestant pour la première fois dans l'éternité des temps, cet être absolu s'est exprimé en tant que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu la Mère. Puis il a réalisé la synthèse de son être manifesté en s'exprimant dans la personnalité de la Trinité. Pour abriter cette première famille, l'être ultime a donc créé l'île du paradis avec les 21 planètes sacrées qui sont le pivot de tout ce qui va s'en suivre. Doté d'une demeure éternelle, le paradis et les 21 sphères sacrées, cette première grande famille divine va se mettre à engendrer une multitude de personnalités divines qui chacune, individuellement ou collectivement, va jouer un rôle prépondérant dans le travail de la création cosmique ultérieure. Et c'est ainsi qu'autour du paradis vont se mettre à travailler tout un ensemble de groupes hétéroclites de personnalité divine pour créer l'univers central. On le baptisera Avona. C'est sous ce nom qu'il est connu dans certaines archives. Les dimensions de Avona sont énormes. Sa masse est incroyable. Il est formé par 1 milliard de sphères d'une beauté inimaginable et d'une splendeur superbe. L'univers central est une création parfaite. C'est vraiment un univers modèle. C'est là d'ailleurs que viennent étudier les fils créateurs Michael avant de se lancer eux-mêmes dans les zones de l'espace extérieur pour créer les univers locaux qui composent les 7 super-univers. Le milliard de mondes qui constitue Avona est disposé autour des 21 sphères sacrées du paradis en 7 circuits concentriques. Ces circuits horizontaux tournent avec une très grande vitesse de circulation dans le sens d'extrogyre, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, comme les aiguilles d'une montre. Pour faire un tour complet autour du paradis, le milliard de mondes de Avona met
1000 ans de temps terrestre. Le temps que met Havona pour circuler autour du paradis correspond à un jour de Havona. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, nous pouvons lire que, aux yeux du Seigneur éternel, 1000 années sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille de la nuit. Les êtres spirituels qui ont leur demeure éternelle dans Havona vivent réellement sur des mondes de nature matérielle. Mais la matière de ces mondes est si subtile qu'elle paraîtrait inexistante ou spirituelle pour les mortels qui vivent sur les planètes terrestres. Aucun des êtres physiques qui sont domiciliés sur Havona ne serait visible pour nous si nous y allions lui rendre une visite de courtoisie. Car dans tout le cosmos, il y a matière et matière. Ce qui est matière pour un habitant de Havona serait pour nous pur esprit. S'il nous était donné d'être présents sur Havona en chair et en os, on n'entendrait rien et on ne verrait rien. Havona est un univers spirituellement parfait. Le péché n'y existe pas. Pour le gouverner, il suffit d'une organisation administrative. C'est dans ces mondes que l'on peut y observer les idéaux élevés de la véritable autarcie. Les mondes de l'univers central de Havona deviendront un jour pour vous tous, créatures ascendantes des mondes évolutionnaires du temps, un terrain d'épreuve finale. La décrépitude et la mort n'y existent pas comme faisant partie du processus cyclique de la vie, comme sur notre planète. Les habitants de Havona changent simplement de forme, en subissant une transmutation matérielle. Tous les Havoniens sont des enfants nés de la Trinité paradisiaque. Il est impossible pour un mortel de se faire une idée même approximative de l'architecture, de l'éclairage, du chauffage, de l'embellissement biologique et artistique de l'univers central. La construction planétaire dans Havona est entièrement différente de nos mondes évolutionnaires. En plus des natifs de Havona, on trouve dans ces mondes de nombreuses classes d'êtres servant de prototypes pour divers groupes de l'univers. On peut réellement affirmer que tout ce qui existe dans tous les autres univers, en dehors de Havona, est façonné sur le modèle de quelques créatures archétypales vivant sur l'un des 1000 millions de mondes havoniens. Il y a aussi, bien sûr, d'autres catégories d'êtres vivant sur Havona. En résumé, disons que Havona sert d'univers éducatif expérientiel à de nombreux types d'êtres créés. C'est là que, pendant un certain temps, se rendent les 700 000 fils créateurs Michael pour y effectuer des stages d'observation avant de se lancer avec l'éphémère de l'esprit infini dans la création des 700 000 univers locaux organisé galactiquement en 7 super-univers. Pour nous situer présentement dans notre univers local par rapport à Havona, disons que nous en sommes situés vraiment très loin. Cela dit, précisons encore 2 points en ce qui concerne Havona. Autour des 7 circuits de Havona, comprenant 1 milliard de sphères habitées, il existe 2 énormes groupes composé d'énormes corps de gravité obscure qui ne reflètent jamais la lumière. Leur nombre immense cache Havona aux yeux des observateurs extérieurs. Le premier groupe circule autour de Havona sur le plan horizontal, dans le sens lévogyre, c'est-à-dire de droite à gauche. Le groupe, quant à lui, circule également de droite à gauche, mais perpendiculairement par rapport au plan horizontal de Havona. Les 2 groupes sont séparés entre eux et Havona par une zone vide d'espace. Les 2 groupes de corps obscurs ne sont pas habités. Ils font partie de l'univers central de Havona. Ils sont mis en mouvement
par des formes de vie qui ne sont ni des créateurs ni des créatures. Leur mode d'existence énergétique est incompréhensible à l'homme mortel. Leur masse totale est stupéfiante. Elle est supérieure à la masse totale des super-univers dont je vais entreprendre dans un instant la description historique. Leur très grande vitesse de circulation autour des sept circuits centraux de Havona, dans l'essence d'Extrogyre et Lévogyre, contribue à la stabilité de l'univers central par un double effet gyroscopique. Cette stabilité de l'univers central se traduit par l'existence de directions cardinales absolues qui sont elles-mêmes les réflexions des champs de force absolus du paradis. Ce sont elles qui commandent toutes les positions des corps célestes, non seulement des sept super-univers qui composent le grand univers, mais encore l'espace extérieur lointain, qui se compose de quatre zones elliptiques annulaires et alternées, successivement d'Extrogyre et Lévogyre, formant le maître univers, où d'immenses galaxies sont actuellement en voie de formation. Pour avoir une idée approximative de la taille de l'ellipse formée par le second groupe le plus extérieur des milliards de corps obscurs de l'univers central avonien, sachez que le grand axe, dont les extrémités forment le zénith et le nadir de ce circuit vertical des corps de gravité obscure, est 50 000 fois plus long que son petit axe est-ouest. Les directions absolues déterminées par l'univers central de Havona se reflètent jusque dans le monde vivant des sept super-univers par l'existence générale de cellules directionnelles conférant aux hommes et aux animaux un sens relatif de l'orientation. Voilà tout ce que je peux vous dire de la création de Havona, dont les 1 000 000 000 de sphères habitées par des êtres grandioses tournent autour du paradis en accomplissant une révolution équivalente à 1 000 de nos années terrestres. Les fondations du cosmos sont maintenant fixées pour l'éternité, d'une part, par l'existence du noyau paradisiaque avec ses 21 sphères mystérieuses, et d'autre part, par l'existence de l'univers central de Havona. Cette réalité du paradis Havona est la seule qui soit parfaite dès l'origine des temps immémoriaux. Or, je vous ai révélé tout à l'heure, c'est dans le paradis qu'est née une multitude de personnalités divines. Cette multitude d'êtres divins, vous pensez bien, n'ont pas été créés pour se tourner les pouces. Leur existence a été manifestée par le Seigneur suprême pour répondre à des desseins universels sur lesquels je vais devoir m'étendre présentement. Car, soyez attentifs, c'est réellement à partir de maintenant que vous allez enfin pouvoir comprendre quelque chose, d'une part, en ce qui concerne le rôle de créateur d'un univers local par un fils Michael, et d'autre part, en tout ce qui touche l'origine lointaine de votre super-univers et votre apparition en tant que mortel destiné à évoluer sur l'une des 10 millions de planètes de l'univers de Nébadon.
Il y a de cela bien longtemps, les sept super-univers et les quatre zones super-galactiques qui les entourent globalement n'étaient pas encore créés. Mais le paradis et l'univers central de Havona étaient là, comme le centre et le moteur de toute chose et de tout être. Au paradis, quantité de personnalités divines avaient été amenées à l'existence par le pouvoir de l'être suprême et par celui de ses aspects personnalisés. Toutes ces personnalités individualisèrent un attribut de la puissance divine primordiale et trinitaire. C'est ainsi que naquirent, entre autres, plus de 700 000 fils créateurs de l'ordre des Michaël, tous issus du Fils éternel du paradis. Conjointement à cette création, il se produisit une réaction chez la Mère Infinie qui mit au monde plus de 700 000 filles créatives. Chacune d'elles était destinée à jouer le rôle d'esprit-mère d'un univers local. Son travail consistait à servir d'être complémentaire à chacun des fils créateurs Michaël. Le Père universel du paradis venait d'avoir une idée derrière la tête. Son intention était la suivante: créer le grand univers. Pour cela, il émana de sa propre nature secrète des entités d'un ordre tout à fait spécial, les sept maîtres esprits. Ces maîtres esprits se mirent à irradier leur influence à partir de l'île centrale du paradis, faisant ainsi de la vaste création une roue gigantesque dont le moyeu est le paradis éternel. Des sept maîtres esprits émanèrent sept gigantesques rayons de lumière divine dont les radiations pénétrèrent les régions vierges et extérieures du grand univers. C'était dans ces régions extérieures de l'espace vierge que le Seigneur éternel avait prévu de bâtir, sur un circuit elliptique tournant de gauche à droite, les sept super-univers. Il avait aussi prévu que chaque super-univers comprendrait 100 000 univers locaux et que chaque univers local en son temps allait devoir donner naissance à 10 millions de planètes terrestres sur lesquelles évolueraient les millions d'enfants mortels d'un fils créateur, Michaël. L'impulsion paternelle des créations super-universelles était maintenant implantée dans l'espace extérieur autour de l'univers central et très loin de lui. Le Père universel avait tout prévu. Les fils créateurs Michaël et leurs compagnes complémentaires, les 700 000 esprits créatifs, étaient déjà depuis un bon moment à l'entraînement et à l'étude des phases créatives dans les écoles éducatives du paradis. Ils allèrent ensuite se perfectionner dans les multiples mondes parfaits de Havona, où tous les archétypes de la vie et de la forme existaient comme des prototypes parfaits. Il ne restait maintenant qu'une chose à faire, car l'entraînement et l'éducation pleine de sagesse des 700 000 Christ créateurs et des 700 000 filles créatives touchaient à leur fin. Que se passa-t-il alors? Puisque le Père universel connaissait déjà l'emplacement et le nombre effectif des mondes qui seraient habités dans l'espace non seulement par des mortels, mais aussi par une multitude de personnalités divines, la Déité suprême envoya dans cet espace extérieur, imprégné de l'impulsion primaire du Père universel, cette Déité suprême y envoya, dis-je, les organisateurs de force primaire du paradis. Et alors, la puissance de l'espace super-universel fut transmuée en force primordiale. Le potentiel prématériel se mit à évoluer en manifestation énergétique primaire et secondaire de la réalité physique. Cette évolution se fit jusqu'à ce que l'énergie ainsi produite eût atteint des niveaux où elle répondit à la gravité du paradis. C'est alors qu'en un premier temps, les directeurs de pouvoir et leurs associés du régime super-universel entrèrent sur la scène de la zone cosmique super-universelle. Ils commencèrent leurs manipulations sans fin. Ces manipulations de l'énergie primaire et secondaire étaient destinées à établir les multiples circuits de pouvoir et des canaux d'énergie des univers de l'espace et du temps, qui allaient prendre forme ultérieurement
sous l'activité conjointe de chaque Christ créateur et de chaque fille créative. C'est ainsi que la matière physique apparut pour la première fois dans l'espace extérieur. Le cadre super-universel était maintenant fin prêt pour inaugurer l'organisation des super-univers dont les chefs tout désignés étaient et sont encore ces personnalités divines connues sous le nom de « Anciens des Jours ». Chaque super-univers serait gouverné par trois Anciens des Jours qui sont des enfants issus de la Trinité paradisiaque. Puisque l'énergie primaire de l'espace avait été segmentée, il était temps de passer enfin à la phase d'émergence concrète des super-univers. Comment cela se produisit-il? Les organisateurs de force du paradis déclenchèrent autour de leur présence spatiale sept formidables cyclones de forces super-universelles. Plus rien maintenant ne pouvait venir arrêter ce qui avait été engendré. Les ultimatons de la matière se mirent à vibrer autour de la fréquence super-universelle. Et alors, vraiment très loin du paradis et de l'univers central gigantesque de Havona, les observateurs divins virent se matérialiser sept superbes nébuleuses de gaz supergalactiques. Les sept super-univers venaient d'émerger de l'espace extérieur entourant l'univers central de Havona. Si l'on s'était placé au zénith du plan horizontal, on aurait vu de très loin sept super-galaxies éclairant la nuit spatiale comme autant de lampes divines. Notre super-univers porte le numéro 7 dans l'ordre administratif des super-univers. Il sera baptisé du nom d'Orvonton. Au centre de chaque super-univers, les architectes divins vont aussitôt construire une capitale super-universelle. Cette capitale est le cœur du soleil nébulaire central. La capitale de notre super-univers, celui d'Orvonton, est connue sous le nom du Versa. Quel type de généralité peut-on émettre à propos de chaque super-univers? D'abord, il faut dire que chaque super-univers sera le corps d'expression de l'une des sept perfections divines. Chacune de ces perfections divines va être traduite à son tour de 100 000 façons possibles par les 100 000 fils créateurs d'univers locaux. En résumé, les sept super-univers seront les champs d'application de 700 000 attributs divins. C'est vous dire qu'aucun Christ créateur, aucun fils Michael ne ressemble à un autre. Chacun reflète à part entière et incarne réellement un des 700 000 aspects du caractère du Fils éternel du paradis. C'est vous dire toute la richesse de la sagesse que le Fils éternel paradisiaque exprime ou exprimera dans le grand univers composé des sept super-univers. Lorsque le travail primaire d'organisation d'un super-univers est accompli, le travail d'évolution progressive peut alors commencer. Cette évolution, démarrant des stades primitifs de vie aux stades finaux sur les planètes terrestres des univers locaux, va faire l'objet d'une observation constante et suprême par l'un des sept maîtres esprits du paradis. Chaque super-univers sera administré par l'un des sept administrateurs suprêmes, siégeant sur les sept sphères sacrées de l'esprit infini, circulant sur le circuit le plus extérieur autour du paradis. Puis, sur chaque super-univers, est mis en place, sur la capitale, le quartier général des esprits réflectifs et des aides réflectives d'image. Leur rôle et de réfléchir les desseins paradisiaques jusque dans les moindres détails de la création super-universelle par l'intermédiaire des 100 000 fils Michael et des 100 000 filles mères créatives. Ensuite, chaque super-univers voit s'installer dans le siège capital la hiérarchie de son gouvernement super-universel.
À la tête de cette hiérarchie gouvernementale se trouvent les trois anciens des jours. Ils seront accompagnés par 1 milliard de perfecteurs de sagesse, par 3 milliards de conseillers divins, par 1 milliard de censeurs universels et plus tard. Lorsque les Christ Michael auront engendré leurs enfants mortels, on trouvera dans la hiérarchie de ce gouvernement super-universel des mortels qui, s'étant libérés de la ronde cyclique des morts et des renaissances successives, auront atteint le statut d'âme glorifiée ou de mortel ascendant. Tout cela étant accompli sur des millénaires d'âge. Le grand moment des créations universelles va s'approcher. Puisque tous les éléments sont maintenant en place et que l'administration et le gouvernement super-universel sont installés, le plan divin peut passer à la phase supérieure de ses réalisations. Celle-ci devra finalement aboutir à la création de milliards de mondes physiques et supraphysiques sur lesquels évolueront bien sûr des mortels du temps et de l'espace, mais aussi d'autres créatures de nature non humaine.